Amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de lundi, hein, jour de lune comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon week-end, ce qui a été mon cas. Véritablement topissime. Alors oui, il a fait très très beau ici, donc c'était agréable, un peu frisqué, mais enfin, moi j'ai fait ma marche rapide juste avec mon survêtement, donc c'était génial. Alors merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Alors concernant la vidéo d'hier, il y a eu beaucoup de retours. Alors il faut que je vous mette au courant les amis, c'est très important pour moi, vous savez c'est un échange gagnant-gagnant ce qui nous concerne. Je dois vous dire la première des choses, donc il faut que vous sachiez dans vos commentaires, il y a tout ce qui est insulte et compagnie est trié dans un premier temps par Yu-Yu en direct. On a le choix par rapport à ça et j'ai fait un premier filtre et je fais un deuxième filtre à titre personnel. J'essaie de lire tous les messages et quand il y a des choses un peu trop problématiques, j'enlève les commentaires. Donc surtout ne soyez pas offusqués si c'est votre cas. C'est pas le but de vous brider, mais on doit faire actuellement très très attention les amis. Donc si ça vous arrive, c'est qu'il y a un mot ou une expression qui risque de nous mettre à mal. Deuxièmement, j'ai reçu par mail une première dame qui m'a contactée pour me dire que je me méprenais, que je me trompais concernant le fameux Jérôme et que je n'avais pas vu ce que je voulais voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment ce machin? Et le deuxième mail de la même personne me stipulant que j'avais intérêt à revoir ma copie par rapport à ça. Vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà les amis, donc vous devez savoir, je ne suis sans doute pas la seule, je ne sais pas, mais enfin d'autres personnes, je ne sais pas. Donc quand on commence à être des ronds-points-gens, voilà ce qui se passe. Voilà, mais vous êtes au courant, c'est mon rôle de vous le dire. Ensuite, on va attaquer donc le garde-manger, d'accord? Vous allez comprendre qu'on va discuter de Ron qui n'a plus de gis. Voilà, d'accord, on va aborder le sujet de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Et dans un deuxième temps, à 18h ce soir, il y aura sur ma chaîne Chris Sinclair Show. Je vous parlerai d'un personnage très important du 19e siècle à Paris. Un mage extraordinaire et qui est très important à mes yeux, où je ferai des confidences par rapport au personnage, puisque je suis très liée à lui depuis pas mal d'années maintenant, ça fait depuis combien de temps? Presque 20 ans, et voilà, donc nous en discuterons ce soir à 18h, donc ne loupez pas, parce que je pense que ça va vous apporter d'autres éléments concernant la magie. Et pour ce faire aussi, enfin, aujourd'hui, donc je voudrais vous parler d'un autre livre qui m'a été offert, par le personnage même, hein, Jean Testanière, donc j'ai eu la chance de rencontrer, et si la vie n'était qu'un début, donc aux collections X, c'est ça, hein, voilà, X édition, ou XO édition, je ne sais pas comment on le dit, voilà, donc Jean Testanière qui est un médium reconnu, hein, d'accord, il est passé beaucoup dans les médias, j'ai lu le livre parce que j'avais envie de passer un moment de bien-être sans me poser de questions, et j'ai trouvé que ce livre était véritablement intéressant. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas payé, hein, bien sûr. C'est un cadeau qu'il m'a fait personnellement. Donc voilà, donc c'est un très beau témoignage sur la médiumnité, sur sa vie. Et il vous fait quelques révélations, je pense, croustillantes pour vous. Voilà. Donc oui, c'est important pour moi de vous présenter des livres.
parce qu'on rentre dans cette sphère-là où la littérature nourrit, alors que la, enfin, comment vous dirais-je, la littérature nourrit votre cerveau, votre baguette magique, vous donne des énergies chaudes, comme je dis, alors que la télévision, les écrans vont vous amener des énergies froides, c'est-à-dire qu'ils vont manger vos énergies. D'où l'utilité de regarder la télévision avec parcimonie et à bon escient. Voilà. Donc, j'ai pris un autre tarot, hein, d'accord, de Marseille. Donc, merci pour les abonnés, les nouveaux abonnés. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, ici, nous avons les cartes majeures. Les cartes mineures sont ici, d'accord? Je lis les cartes à l'endroit, à l'envers, bien évidemment. Pour moi, c'est un minimum vital. Et voilà. Donc, j'ai plusieurs tarots. Des fois, je le couple avec. Ben non, je voulais vous parler d'un jeu, mais je vous en parlerai tout à l'heure à 18h. Ou la Nièce Tarot, ou les 32 cartes. Voilà. Le jeu de 32. Alors, le tarot est toujours un jeu initiatique. Il faut bien le savoir. D'accord? Voilà. Hop, ça, c'est les cartes mineures, les amis. Hein, d'accord? Et le tarot, ou un jeu, c'est très difficile de dire vous devez lire les cartes comme ci ou comme ça. Bon, il y a une façon pour le tarot, c'est sûr, mais pour un oracle, le jeu vous parlera selon vos connaissances. Voyez-vous, il s'adressera toujours à vous selon votre niveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du tout. Alors, je prends deux cartes majeures concernant le garde-manger, hein, donc de rein qui n'a plus de gis, s'il sera vide ou pas vide, vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Donc apparemment, nos amis de la Terre ne se laissent pas faire. Eh bien, écoutez, tant mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? D'accord? Alors, merci aussi sur X, hein, vous êtes nombreux à me soutenir aujourd'hui. Franchement, je suis estomaquée moi-même. Hein, voilà. Donc maintenant, vous voyez, je prends les cartes majeures, les quatre mineures, et je vais tout mélanger ensemble. Voilà. Hop. Alors, vous allez me poser la question, Chris, oui, ça m'arrive aussi. Comment vous avez appris à faire les cartes? Ben, écoutez, je vais être trop claire avec vous. C'est la méditation. C'est dans la méditation, dans mes rituels kabbalistiques, que je suis initiée. Donc, voyez ce qu'il vous reste à faire, hein? D'accord? Voilà. C'est comme ça, on me dit, tu fais comme ça, tu fais comme si j'avais pas prévu, comment ça s'appelle, le sujet de ce soir sur la chaîne Chris Sinclair Show, donc la deuxième chaîne, et ils m'ont dit, si, tu dois parler de ça. Bon, alors je dois parler de ça, en fait, du personnage dont on parlera ce soir, qui va sans doute vraiment vous plaire. Donc, on va rentrer dans la magie, d'accord? Et avec des gens de connaissances et de savoir. Voilà. Enfin, c'est tout ce que j'aime, hein, par définition. Voilà. Et on va rentrer au fur et à mesure sur la deuxième chaîne, justement. On abordera divers personnages ou alors diverses histoires paranormales ou historiques ou ce que vous voulez, si vous voulez. Voilà, au fur et à mesure de mes méditations, parce que c'est l'art général où je suis instruite et où on me dit de faire ce que je fais. D'accord? En tout cas, sur la deuxième chaîne Chris Sinclair Show, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, vous avez dans la barre de description aussi le lien pour accéder à la nouvelle chaîne. Comment faire? Vous avez la vidéo, en dessous de la vidéo, vous appuyez sur plus et vous avez un menu déroulant et tout est à l'intérieur. Parce que j'ai une dame qui m'a posé la question. Donc, je le dis. Voilà. Après, on ne peut pas tout savoir. Voilà. Donc, dites-moi concernant le marché de Rouen qui n'a plus de gis. Savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Alors, autre info que j'ai eue hier. Je vous les donne. Donc, peut-être vous les avez déjà. Mais au moins, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis. Ça bouge énormément au pays de nos amis des érables. Ça bouge énormément au pays du bidon aussi. D'accord? Voilà. Apparemment, ils ont tous la trouille. Ah oui, il y en a un qui paraît.
C'est pas le chouchouchouchoua, mais voilà, il se prend maintenant pour le dieu qui va sauver la terre. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ici, il y a des gens qui sont en train de méditer comment ils vont pouvoir se sortir de cette situation. Je pense au lobe point point bi, d'accord? Se pose la question comment ils vont pouvoir s'en sortir de cette situation par rapport à nos amis de la Terre et quelle trahie poison peuvent-ils vous préparer? Ça ne marchera pas d'entrée de jeu. D'accord? Donc leur désirata de vous empaffer ne marchera pas. Je parle à mes amis de la Terre puisqu'il y en a beaucoup qui écoutent nos vidéos puisqu'ils m'envoient des petits messages et compagnie. D'accord? Voilà. Donc ça ne fonctionnera plus, ça ne fonctionnera pas. J'ai vu que le petit prince s'était déplacé, oui, c'est la première sinistrose, il s'était déplacé pour redire du pipi, point K, à nouveau dans certaines contrées, et qu'il a essayé de... Ben, vous savez, la technique du serpent, on le connaît en communication, ça peut marcher une fois, mais si vous récidivez dans les jours qui suivent, ça ne marchera plus, ça aura au contraire un effet inverse. Donc, il tente la technique du serpent une nouvelle fois, mais il sait que ça ne fonctionne plus parce que les gens, tout le monde a compris ce qui est en train de se passer. Il y a un autre drame, mais on y viendra, c'est pas le jour, qui est en train de se jouer dans notre beau pays. Voilà, vous m'avez posé la question, j'y reviens parce qu'au fur et à mesure, concernant le brigand, vous savez, qui est allé faire son Maharaja pour les mille pointeurs pour vendre, entre guillemets, tout ça, vous avez raison. Claire sur le sujet, vous avez raison. Pour ça qu'en parallèle, on nous fait la technique, la danse des serpents, voyez-vous, pour mieux nous hypnotiser. Et puis par là, par derrière, ben, il vous met autre chose. Voilà. Alors, ici, nous avons bien évidemment le roi de bâton qui va revenir sans causer. Sans causer, bien évidemment. Alors, pourquoi j'ai le soleil? Il y a quelque chose qui va arriver au mieux, si vous voulez, je parle au niveau de ses sbires, hein, entre guillemets, que ce soit lyrique, le boulet pathétique, ou au niveau des, comment dirais-je, des, ils veulent l'égie point ferré, et ça risque de partir en cacahuète. D'accord? Ben oui, ils nous font la danse des cacahuètes. Vous avez bien compris qu'on n'a plus le droit de causer. Donc, ils nous font la danse des cacahuètes. Donc, ici, il y a un soleil qui arrive. Sous retard, donc ils seront obligés de revoir leurs copies, hein, d'accord? Voilà, ils seront obligés de revoir leurs copies. Mais à mon avis, il va revenir, il va pas causer tout de suite l'autre pomme, hein? Ben oui, le Maharaja, là. Maharaja! Oui, eh ben, que voulez-vous, voilà. Au niveau, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du groupe de nos amis de la Terre, hein? Bon, alors là, on va vous proposer encore un peu plus. Je suis désolée de vous dire, je crois qu'on en arrive à... Je crois qu'il faut en rire. Vous savez, des fois, on me reproche de rire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on pleure? On peut pas pleurer, c'est pas possible. Alors ici, donc, ils vont arriver encore avec un peu plus de pognon, enfin, des promesses, hein, des promesses de Gascon. Ici, et puis là, ça s'écroule, patatrac, je peux vous l'annoncer. Franchement, je pense que ils sont tous là-haut à côté de la plaque. Hein, que vous les prenez les uns ou les autres, vous savez, conseil Constitui. Si vous prenez le lard poinché, j'ai dit autre chose. Oui, je sais. D'accord? Les granubines, d'accord? Je peux vous le dire d'entrée de jeu. Ils sont tous à côté de la plaque. Hein, entre. Le fa qui n'a plus de bus, voilà, donc ils sont tous à côté de la plaque, véritablement. Mais là, je peux vous avouer, je ne sais pas qui va prendre la tête des amis de la Terre sur Lutèce, mais très bien. Simplement, les amis, mes amis de la Terre ou nos amis de la Terre, je vous donnerai le conseil, faites confiance à vous-même, d'accord? Évitez d'avoir quelqu'un qui vous chapeaute. Comprenez, et qui risquerait de vous le mettre dans le pot potin. On est clair? Voilà.
Soyez maître du jeu. Always to be in control. C'est ce qu'auraient dit mes maîtres, mes maestros. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Soyez maître du jeu. Il y a un projet. Bon. Oh putain. Alors, dans le projet, etc., donc, il y aura des actions d'un coup. D'accord, des choses qui arriveront comme ça, d'accord, sporadiques, ou qui vont devenir vite, vite incontrôlables. Ils ont peur que, de toute façon, je vais vous dire, alors, mes amis de l'UTS, parce qu'on a beaucoup d'amis à l'UTS et que c'est pas contre vous, mais vous comprenez mon humour par moment, mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens à l'UTS qui se rendent pas compte ce qu'il est véritablement, sont pas proches de la réalité de la vie, voyez-vous. Et alors qu'ici, on les peut-être beaucoup plus, et on voit ce qui est en train de se passer. Donc 90% de la populace adore les amis de la Terre, vous risquez de moins les aimer à l'UTS, mais il faudra vous en prendre à qui de droit. Mais ça va chauffer, ça va chauffer. Mais je vois d'autres actions, je dirais au niveau des prêts, point fait, pointure. Ensuite ici, d'accord, excusez-moi, je regarde en même temps. Donc, rien n'ira plus pour Bricaton, là, ça m'est annoncé, hein, de toute façon. Ah oui, il y a une personne, alors, je ne sais plus si c'est un monsieur ou une dame, m'a dit, Chris, oui, vous dites qu'il va retourner sa veste, toujours pas retourner sa veste. Cool, Raoul, on prend son temps, d'accord, c'est un bonhomme qui a besoin de se recevoir plusieurs soufflets, voyez-vous. Voilà, donc laissez faire et arrêtez d'être impatient. Sinon j'arrive et je vous en colline. Voilà, donc ici ça me dit clairement, il va y avoir beaucoup plus d'action, mais par contre pour Bricaton, quoi qu'il voudra faire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oh là là. Donc là, ça me dit clairement, tout ce qui est en gestation pour Bricaton, de toute façon, ça ne marchera pas à l'arrivée. Là, pour moi, si vous voulez, je suis assez contente parce que j'étais un peu à la suite du Jérôme, vous voyez, j'étais un peu dans l'incompréhension. Puis là, je vois que ça repart en sauce, mais il y aura d'autres mouvements qui débarquent, hein, d'autres professions. Au niveau du pognon, pourquoi on me parle de pognon vous concernant, projet? Bon, alors, on va vous refaire, je vous l'ai dit en début de noces, mais je crois que ça va aller tout azimut, on va vous faire la danse du ventre toute la semaine, d'accord? Par rapport au pognon, alors on va vous faire des promesses, toujours pareil, on va vous promettre des choses, comme pour la retraite, enfin pour des trucs comme ça, on va vous faire des promesses, mais je vous l'annonce très sincèrement, mes chéris d'amour, si vous les croyez, vous avez encore une fois tort. D'accord? Voilà. On vous dit une chose, c'est de la démagogie, on vous dit des choses en face et on vous le met dans le dodo. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais ils ont la trouille là, ils ont la trouille. Alors, je sais pas pourquoi, on me parle. Tenez ça dans votre tête parce que je viens d'avoir une image. Bon, je veux bien que mon père était à la SNCF, était cheminot. Mais là, soudainement, je viens d'avoir, vous savez, comme les grosses barres de bois, là, les traverses... en bois là, vous savez, qu'on utilise d'ailleurs, moi j'en ai une dans mon jardin pour faire un banc, voilà, je vois ça, alors comme si elles étaient mises au milieu, donc ils vont vouloir tout arrêter, je vous dis, ça va être sporadique comme ça, beaucoup de choses. Il se pose la question, ah ben voilà, c'est la chochotte, d'accord, la première sinistrose, la chochotte va se poser des questions et interroger au niveau des lobes point vie, parce qu'ils savent qu'ils peuvent rien faire, on est coincé par la peste aux étoiles, d'accord, au pays des moules frites là-bas, d'accord, mes amis belges, je vous aime, j'adore les schtoumpes, ça vous rappelle les schtoumpes, ou les fricadelles aussi, j'aimais bien, voilà, voilà, donc ici je peux vous annoncer clairement, ils se posent la question comment ils vont faire parce qu'ils savent qu'ils ne veulent plus rien gérer. Mais dites-vous bien qu'ils sont dans une panade formidable. D'accord ? Ça va être la fête à la première sinistrose, à Pimprenelle. D'accord ? Voilà. Il va faire de la balançoire. Poussez, poussez ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite,
Alors, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses financières, de pognon, hein. Voilà, on va se le dire comme ça. Blocage, ouais, par rapport au blocage, beaucoup de promesses mes chéris, on va vous en promettre des choses, hein. Ah, je vous le dis tout de suite, on va vous en promettre des choses, hein. Waouh, vous allez être au centre de l'admiration. Voilà, donc on va vous en promettre des choses. Et toujours, je vois pas le briquetant sortir du bois, à part pour, à un moment donné, se sentir bloqué. Mais il y aura des effets d'annonce, comme je vous dis, mais sans lendemain. C'est comme un petit peu, l'histoire de la mariée était trop belle, voyez-vous. Et dès le lendemain, on pense au divorce. Oula. Bon, alors là, les amis, il faut que je vous informe. Les amis, il va falloir que vous soyez prudents. Je parle à nos amis de la Terre, hein, par rapport à cette semaine, parce qu'il y a une ombre pas très cool qui surgit là, comme s'il y avait à nouveau, vous savez, comme Alexandra et la petite Camille, quelque chose de similaire. Donc, il va falloir que vous soyez excessivement prudents. Et c'est des choses qui sont calculées par ces sinistroses de peu de foi, d'accord, qui n'auront aucun scrupule. Parce que là, il y a bien une, non seulement une rupture, mais une action qui est engagée. D'accord? Il y a une action qui est engagée féroce contre vous, mais comme s'il y avait des gens qui étaient un fil pointré à l'intérieur. On est bien clair sur le sujet? Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas les gens qui s'approchent de vous, je dirais soyez prudents. Ouais, il y a des projets qui n'aboutiront pas. Je veux dire, ça va une semaine. Faites attention qui est à côté de vous, parce que ça peut être aussi des gens pas très cool. Ici, qu'est-ce que nous avons? Colère. D'accord. Là, ils se prennent la tête aussi. Oh punaise. Oh punaise. Super. Ils se prennent la tête, mais pas qu'ici, hein, la peste aux étoiles, parce que il y a chez nos jeunes amis légèrement, je crois que chez nos amis belges aussi, hein, je crois que ça chauffe les patates. Chez nos amis néerlandais également, je crois que ça chauffe les patates. En Italie, je vois des trucs aussi, en Espagne aussi, donc vous voyez, ça chauffe. Donc au niveau de la peste aux étoiles qui sort ici, je peux vous annoncer qu'elle ne sait plus où elle va, et apparemment, il va y avoir des discussions, d'âpres discussions entre le briquaton et la peste aux étoiles pour qu'ils arrêtent tout ça. À mon avis, vous savez, l'autre apôtre, là, le camp point fin, c'est ça comme ça qu'on dit, hein. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas le voir pendant quelque temps. Hein. Ils sont peu courageux, mais pas téméraires. Hein. Ils font des crasses et puis après, ça dégage. D'accord. Nos réussites et. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire clairement? Bon, il n'y aura rien de positif, comment vous dirais-je? C'est pas contre nos amis de la Terre, hein, mais si vous comptez sur ce qu'ils vont vous dire, vous vous plantez. Je vois bien une belle assemblée ici, ils vont tenter de vous déstructurer une nouvelle fois. Voilà, là ici, donc j'ai bien, ils veulent tenter de vous déstructurer de l'intérieur une nouvelle fois. Donc, comme le Jérôme, ils vont s'adresser à d'autres personnes pour leur faire des propositions, vous savez, avec un beau point R, point A et point B, voyez-vous, pour qu'on leur mette des sous-sous dessus et qu'ils se taisent. Il y en avait un comme ça, d'ailleurs, il faudrait que je refasse mes recherches, je me rappelle de cette histoire, et on lui a offert après un poste de DD PPTT, à la peste aux étoiles, d'accord, pour qu'il se taise. C'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait gagné. Vous voyez comme quoi, les amis, des fois, vous faites confiance et vous vous retrouvez ratatiné. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Une nouveauté. Ils se prennent la tête pour réengager quelque chose de nouveau par rapport à vous. Ah, ils vont vous faire encore. Ben, c'est la danse du serpent, c'est la danse de. Je vous aime, vous avez entendu ce qu'il a dit, la princesse, la, de la reine.
Il faut que je fasse attention comment je dis les choses quand même, hein. Voilà, donc la princesse va vous faire des leçons d'amour. Je vous aime, on se croirait dans le monde des ados, vous savez, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les actions, c'est beaucoup mieux, d'accord? Dans tout ce qui est sacré. Donc si vous les croyez, je vous dirai, parce que là, j'ai quand même quelque chose de nouveau ici qui ne passera pas de toute façon. Ah, pardon. Ouais, ils vont arriver, ils vont revenir. Alors, c'est comme votre sinistrose, les amis de la Terre. Franchement, vous trouvez que c'est quelqu'un qui tient le... Je sais pas, il a pas... On dirait un petit gamin, un ado qui parle. Je ne l'avais jamais entendu parler, celui-là. Mais on dirait un petit ado, vous savez... mais si, en tapant du pied, voyez-vous, avec son hochet. Non, c'est vrai, quoi. Voilà, là, bon. Alors, tout ce qu'ils vont vous faire va voler en éclats. D'accord? Ça veut dire tout ce qu'ils vont vous faire. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est du fake. D'accord? Ils sortent bien en tant que vos ennemis, mais effectivement, je vous l'annonce, va y avoir de la K.se pour moi. D'accord? Voilà. Il va y avoir des gens qui sont excédés et ça va aller tout azimut et je ne pense pas qu'à Lutèce, hein, d'accord, dans d'autres endroits. Et voilà, il y en a beaucoup qui vont décarpir beaucoup dans ces cas-là. Ils ne prennent jamais leurs responsabilités. Si, quand tout va bien, mais quand tout va mal, ils dégagent au pluriel. Communication. Bon, la colère, elle est là, hein. En ce qui vous concerne, elle est bien là pour la colère. Par rapport aux effets d'annonce où vous, alors là pour le coup, ben je suis assez contente parce que vous vous rendez compte qu'on vous raconte des carabistouilles, d'accord, vous serez assez groupé dans la communication. Bon, déjà là, ça me fait plaisir parce que je vois, il y a pas, les gens ne vont pas tomber dans le panneau du Jérôme. J'ai pas beaucoup d'affect pour ce gars-là, hein, d'accord. Voilà, au nom d'Alexandra et de Camille, j'ai pas beaucoup d'affect. Alors, communication. D'accord. Communication, ils vont vous affirmer certaines choses. Mais comme vous voyez, bon, ça c'est la communication, c'est aussi l'action. La communication, l'action par rapport à des promesses, mais comme elles sortent à l'envers, je peux vous annoncer que tout ce qu'on va vous promettre, c'est faux, les amis. C'est faux. Ensuite, ici, communication. Alors là, pour le coup, communication par rapport, en fait, du groupe de nos amis de la Terre, pas tout de suite, mais plus tard, par rapport à leurs exploitations, ça me parle, hein, ici. D'accord? Mais je peux vous annoncer que ça va être dirigé véritablement contre l'Ursulette, la peste aux étoiles. Et n'oubliez pas, les amis, Christine, la gardienne du temple satanique. D'accord? N'oubliez pas qu'elle a toujours été là dans toutes les mapingouilles. D'accord? Ça, je vous dis. Bon, on va prendre le 32 et on va poser les questions. Est-ce que le garde-manger va vraiment être fermé? D'accord? Va être arrêté. Ok. Est-ce que le garde-manger, Rhin qui n'a plus de gis, hein, bien sûr, est-ce qu'il va être vraiment bloqué? Oui. Mais si j'ai une trahison et une déception, d'accord, j'ai une trahison, une déception. Moi, si j'étais vous, pour ceux qui ont, si on parlait du syndic.ca, d'accord? Faites attention aux promesses de ceux qui sont à la tête, parce qu'on vous raconte des méchances, des fourberies, oui, les fourberies de ce capin. On est en plein dedans. Difficulté, oui, vous le ferez, mais je vais vous dire attention aux promesses, parce qu'apparemment, ils vont, il y a beaucoup de coups de fil qui vont passer. Est-ce que tout le monde va rentrer dans la danse? Ça vous va comme question? Est-ce que maintenant, tout le monde va rentrer dans la danse? Est-ce que tout le monde
va rentrer, comme au Mont du Bidon, au Pays des Érables. Il y a une invitation. Oui. Donc, excellente nouvelle, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, que ça va chauffer des patates. Par contre, les amis de la Terre, je vous mets en garde contre plusieurs syndics.ks, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dont la C.G. Vous voyez la dernière lettre? Voilà. Méfiez-vous, passez pour mieux vous bananer. D'accord? Voilà. Donc, on est confiants, les amis. On reste la tête haute, d'excellentes énergies. On va passer, vous et moi, une délicieuse semaine, si vous le voulez bien. Voilà. Et on se retrouve, bien sûr, demain. Non, déjà ce soir, sur ma chaîne Chris Sinclair Show. N'oubliez pas, parce que j'ai des révélations à vous donner concernant ce personnage du 19e siècle, très lumineux, très connu à l'époque, qui a quand même travaillé avec Napoléon III, l'impératrice Eugénie, Victor Hugo, les frères Goncourt notamment, Auguste Renoir, enfin tous les grands de l'époque, Eugène Sue, enfin voilà. Donc nous aurons l'occasion d'en discuter à 18h ce soir, puisque je rentre dans une nouvelle phase avec de l'histoire, avec des choses que j'aime bien sûr, donc c'est pour ça que je vous le partage. Gros bisous tant des amis à ce soir si vous le voulez bien et sur la chaîne Chris Sinclair demain matin 9h comme d'habitude. Bye bye!